Salut les épicuriens. Alors, dans cette vidéo, je voudrais que l'on aborde un sujet un peu épineux. Comment choisir un rhum en grande surface? Avant de me plonger dans ce sujet, j'ai interrogé ma liste pour savoir si vous étiez beaucoup dans ma communauté à acheter en grande surface et pourquoi. Vous avez été pas mal à me répondre quand même, et cela m'a bien aidé. Vous êtes tout de même 80% à ne serait-ce qu'occasionnellement acheter votre rhum en GMS. Le nerf de la guerre, c'est le prix. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir un petit budget pour le rhum chaque mois, et quand je dis petit, c'est que vous êtes tout de même beaucoup à dépenser moins de 30 €. Et effectivement, chez un caviste, on va très vite être limité avec 30 €. Du reste, c'est souvent pour acheter du blanc qui va servir en cocktail ou en arrangé. Il y en a quelques-uns qui ont fait leur première découverte du rhum par un achat en grande surface. Et si vous avez voulu en savoir plus après cette découverte, c'est que l'on peut bien mettre le pied à l'étrier en grande surface. Pour beaucoup d'entre vous, le gros problème est de trouver un bon caviste près de chez vous. L'envie de faire vivre un caviste ne manque pas. C'est le choix qui n'est pas là. Alors voyons ensemble comment bien choisir son rhum en grande surface. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. La proportion d'achats de rhum en GMS est en hausse depuis quelques années. Cela est surtout dû à un engouement accru pour le rhum ces dernières années. Les cavistes proposent de plus en plus de références de rhum, en plus du rhum et du whisky. Pour beaucoup, cela reste une vente complémentaire. Mais pour d'autres, c'est une véritable passion. Le fait de pouvoir acheter du rhum en ligne facilite également les choses. Mais malgré tout, cela reste toujours en grande et moyenne surface que l'on achète le plus de rhum. 88% du rhum vendu en France l'est en grande surface. 10% est vendu dans les hôtels et les restaurants. Les cavistes, eux, ne vendent que 2%. Sérieusement, que 2%. J'ai beau comprendre que la raison qui font cette disproportion, ça trouve quand même le cul. On ne trouve pas de conseils en rhum dans un supermarché. Le choix est limité et on ne trouve pas du très bon rhum. Et je dirais même plus, on est bien plus confronté au mauvais rhum. Même si le rayon rhum s'est bien étoffé avec le temps, vous ne pourrez pas trouver de conseils pour choisir un rhum pour faire un apéritif, avec des amis, un digestif ou conclure un bon repas ou encore faire un rhum arrangé. Il faut avouer que le choix s'est étoffé depuis quelques années. La grande distribution a bien compris qu'il y avait de plus en plus de consommateurs intéressés par le rhum. Un bon point, c'est qu'en matière de rhum blanc agricole, on est généralement bien servi. Même dans les petites surfaces, il est possible de trouver par exemple un bon petit St. James qui passera très très bien en cocktail, en tiponche. C'est très très bien. Plusieurs distilleries ont commencé à proposer une gamme de rhum spécialement pour grande distribution. Par exemple HSE avec par exemple le Ragtime, qu'il est possible de trouver un peu partout un rhum est très bien pour faire des cocktails ou anti-vieux. Et il passe correctement aussi en dégustation pure. En tout cas, pour de jeunes amateurs, c'est plutôt correct. On y trouve également de l'anglais avec Appleton Estate par exemple, et de l'hispanique avec Santa Teresa et Pacto Navio. Ce sont des exemples. Vous pouvez avoir un choix bien plus important. Et je ne dis pas que vous trouverez du très bon rhum de dégustation. Vous pouvez trouver du rhum de dégustation, mais ce sera de l'entrée de gamme. Des choses qui peuvent être intéressantes tout de même pour de jeunes amateurs qui débutent dans l'univers du rhum.
Je pense notamment à la gamme Secret de Fût que propose Clément, qui peut être intéressant pour l'initiation. Tout cela ne vous aidera pas à faire votre choix. C'est pourquoi je vous propose cette vidéo pour vous aider à choisir un rhum en supermarché ou même ailleurs, afin que chacun puisse apprendre les bases du rhum et ne plus choisir au hasard, perdu devant l'étal des rhums. Alors, ajustez votre tricorne, petit pirate. Nous allons voguer dans le sublime univers du rhum et aiguisez vos sens. C'est parti ! L'univers du rhum dispose d'un vocabulaire qui lui est propre. Des notions essentielles peuvent se résumer en un seul mot. Et il est donc utile de connaître ce vocabulaire. Pour cela, je vous renvoie à mon glossaire. Si vous avez des notions que vous ne comprenez pas, même avec ce glossaire, n'hésitez pas à me contacter pour demander des précisions. J'entends souvent des amateurs me dire qu'ils ne sentent rien à part l'alcool. Le rhum est une eau de vie, c'est fort et contrairement au vin, il peut être plus difficile de se distinguer les arômes derrière l'alcool. Mais comme beaucoup de choses, il suffit de s'exercer pour avoir à passer le cap de l'alcool. Cela peut être plus ou moins long, mais vous y arriverez. Après, d'autres amateurs disent ne pas savoir donner un nom à une odeur. C'est également avec l'exercice que vous allez vous améliorer. Il faut bien entendu goûter différents rhums, mais il faut aussi goûter et sentir tout ce qui va passer à votre portée en cuisine, ce que vous mangez, ce que vous croisez au détour d'une promenade, à la mer, à la montagne. Sentez les choses en associant bien l'odeur à un nom ou une image pour que cela s'imprime au mieux dans votre esprit. À force d'expérience et de temps, vous progresserez. Je ne le répète jamais assez, mais le rhum est un alcool convivial, image de fête et de vacances. Il est synonyme de plaisir. Si vous ne prenez pas du plaisir avec un rhum, passez à un autre. La dégustation d'un rhum n'est pas non plus un concours de celui qui appréciera le mieux un rhum, ou même de celui qui n'appréciera que le meilleur des rhums. Le rhum est une eau de vie du peuple, et même s'il cherche à toujours s'améliorer, il reste un alcool convivial. Vous n'avez jamais vu Jack Sparrow se peindre de la qualité d'un rhum. Par contre, la dégustation se fait avec modération. Jack Sparrow boit du rhum pour oublier, se donner du courage, s'enivrer. Je voudrais vous inviter à déguster un rhum pour le plaisir de titiller vos sens et découvrir ce qu'il y a à partager. Comme je le dis à la fin de toutes mes vidéos, n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut en boire avec modération. Apprendre le rhum va passer par la passion que vous allez mettre dans la découverte de celui-ci. Cela fonctionne d'ailleurs comme cela pour tout apprentissage. Ne dit-on pas que c'est en forgeant que l'on devient forgeron ? Alors, dégustez du rhum pour apprendre à déguster du rhum. N'ayez pas peur de bousculer vos habitudes. Et si vous avez un rhum que vous choisissez à chaque fois, pourquoi ne pas en changer ? Et achetez celui qui est juste à côté pour voir. J'y ai consacré tout un chapitre dans mon livre 50 rhums à moins de 50 euros. Il faut savoir faire des erreurs pour apprendre et développer ses sens. Ces erreurs vont vous permettre de parfaire vos goûts. Il y a des différences notables entre deux blancs agricoles et encore bien plus entre deux rhums vieux. Faire des généralisations ne vous aidera pas à mieux connaître un type de rhum. Je vais continuer à me répéter, le rhum est fait pour être partagé. Vous n'aurez jamais de meilleur plaisir qu'en partageant une expérience de dégustation avec des amis. C'est un avis partial, vous en faites ce que vous voulez.
Et si vous avez un nouveau rhum à leur faire découvrir, plutôt que la même bouteille que d'habitude, vous aurez certainement l'occasion d'animer la conversation autour de ce rhum, au lieu qu'ils ne servent qu'à dérider la conversation. Essayons maintenant de comprendre un peu plus quels sont ces différents types de rhum. J'en ai déjà parlé dans de nombreux articles ainsi que dans mes livres, mais si vous atterrissez sur ma chaîne avec cette vidéo, c'est une notion qu'il est important de bien comprendre. Il faut avouer que le rhum ne nous aide pas à nous y retrouver, et cela même quand on s'est fait le palais avec d'autres spiritueux. Il y a du blanc et du vieux, contrairement au whisky qui ne propose qu'en vieux, ou la vodka qu'en blanc. Le rhum peut être issu de pur jus de canne ou de mélasse. Mais surtout, on distingue trois grandes familles de rhum, les hispaniques, les anglais et les français. Comment s'y retrouver quand on ne s'y connaît pas? Et pourtant, cela participe à la grande richesse du rhum par rapport à d'autres spiritueux. On peut aller bien plus loin dans les distinctions entre les rhums, mais ce qui va être important dans cette vidéo, c'est de bien comprendre les trois grandes familles et la petite particularité des blancs agricoles. Une petite particularité française qui commence à faire des petits un peu partout dans le monde. Je vais essayer de simplifier cela au maximum, sans trop dire de bêtises. Si vous souhaitez explorer le sujet un peu plus, je vous renvoie à mon article « Qu'est-ce que le rhum ?» ou mon livre « Quel rhum choisir ?» dans lequel j'ai consacré tout un chapitre à la question. Imaginez que nous sommes dans la terre du milieu de Tolkien. Il y a trois races qui ont chacune un mode de vie bien à elles. Les hommes, qui sont les plus nombreux et dominent. Ils ont un fort caractère et sont francs, comme les rhums de tradition anglaise. Dans les forêts reculées, en plus petit nombre, vous avez les elfes, très raffinés et à la recherche de la perfection en toute chose. Ce sont les rhums pur jus de canne. Et vous avez, dans une autre contrée, les hobbits, de petits bons hommes aimant la fête, la bonne chère, les sucreries et la bonne ripaille. Ce sont les rhums de type hispanique. Mais tout comme dans la terre du milieu, il y a les créatures du Mordor, ces monstres orques et gobelins, habités par le malin, des créatures modifiées par la magie, comme les rhums trafiqués, édulcorés. L'univers du rhum est un univers de pirates, avec des règles beaucoup moins strictes que pour d'autres spiritueux. Et certains se sont laissés corrompre par l'anneau unique et ont fabriqué des rhums de toutes pièces, en ajoutant du sucre, des édulcorants et d'autres arômes pour les rendre plus faciles à produire, donc moins chers et plus faciles à vendre. Les rhums anglais sont des rhums issus de la distillation de la mélasse. En général, ce sont des rhums sans ajout de sucre. Les anglais ont conquis de nombreuses terres au cours des siècles et ont implanté leur méthode de confection un peu partout. Celle-ci s'est modernisée avec le temps et chaque région a construit son identité. Cela signifie que vous pouvez trouver de nombreux types de rhums de tradition anglaise qui n'auront pas du tout la même aromatique. Vous pouvez trouver des profils gourmands et faisant la part belle à la mélasse, ou des profils très puissants issus d'une fermentation longue. Ce sont des rhums idéaux pour la confection de cocktails et certains, comme l'Appleton Estate, pourront faire une excellente initiation à la dégustation. Les Espagnols sont adeptes de boissons sucrées. Ils ont adapté leur technique de vieillissement du vin dans le rhum. Je pense notamment à la méthode Solera, sur laquelle j'ai fait un article sur mon blog. Même s'ils ne sont pas tous, ce sont des rhums très souvent sucrés. Il faut comprendre que le rhum n'est pas sucré. L'alcool tiré de la distillation ne contient pas de sucre. Donc, quand un rhum contient du sucre,
c'est qu'il a été ajouté. Les rhums hispaniques se caractérisent par une grande gourmandise et une aromatique très portée sur le caramel, la mélasse. C'est un raccourci. Il y a bien sûr d'autres aromatiques que l'on peut découvrir à travers les rhums hispaniques, mais l'idée générale est là. En jeune amateur, vous pouvez avoir envie de commencer à faire votre palais avec ce genre de rhum, plus facile à appréhender. Je vous recommande pour cela Santa Teresa. Ça reste un rhum sucré, mais plutôt bonne qualité. Comme leur nom l'indique, au lieu d'être élaborés à base de mélasse, ils le sont à base de pur jus de canne. Cela permet d'obtenir un rhum bien plus porté sur la canne fraîche. Les rhums pur jus de canne sont très connus en France pour les rhums agricoles. C'est notre petite particularité à nous. Ce sont des rhums d'une très bonne qualité. Même les rhums pur jus de canne bas de gamme sont appréciables, contrairement aux rhums de mélasse bas de gamme qui sont plutôt imbuvables purs. On va distinguer deux grandes familles à l'intérieur des rhums pur jus de canne, les rhums blancs et les rhums vieux. Les rhums blancs sont des rhums non vieillis, qui n'ont pas fait le passage en fût. Ce sont des rhums très secs et très portés sur la canne fraîche. Que ce soit au nez ou en bouche, c'est le rhum le plus consommé dans les Antilles françaises. Le rhum habitant. Il est très souvent bu en tiponche. Les rhums vieux sont, eux, vieillis en fût et vont donc développer une aromatique plus complexe, avec des notes épicées. Ce sont le plus souvent des rhums de dégustation, même si beaucoup de distilleries élaborent des rhums vieux pour les destiner à faire des cocktails. Dans cette catégorie, faites-vous plaisir. Testez un peu tout ce que vous voulez. Vous voilà maintenant avec un petit bagage qui devrait bien vous aider. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans le rayon spiritueux de votre supermarché, vous devriez avoir une idée un peu plus claire de ce que vous allez acheter. Mais sachez que pour faire le bon choix, rien ne vaut mieux que de prendre le temps d'aller chez un caviste. Oui, je sais, ce n'est pas évident pour tous. Mais si vous en avez la possibilité, prenez conseil auprès d'un caviste pour affiner vos goûts. Et sinon, je suis toujours à votre écoute. Posez-moi vos questions directement, en commentaire ou par mail. Allez-y, achetez votre prochaine bouteille. Et si vous avez peur de vous tromper, ce n'est pas grave. Il y a de nombreuses façons de déguster un rhum. Vous trouverez bien une façon de vous faire plaisir avec celui que vous aurez acheté. Et surtout, vous aurez affiné vos goûts. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Elle est tout de même un petit peu plus longue que d'habitude. Laisse-moi un petit like et un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu, et que tu souhaites aller un peu plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit 3 livres que je te partage gratuitement sur mon blog. Pour t'aider à découvrir l'univers du rhum, pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé, c'est le premier lien dans la description. Allez, n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut les épicuriens !